Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On fait une ménoture Over Vitalité pour un Sacrieur RPVP. On va négliger la prospection et le retrait PA évidemment, et on vise au moins 90 d'Overvita. Et si on a moins de 90, on tente le crit dommage sort, ce qui m'irait aussi tout à fait d'avoir un Overvita plus dommage sort. Donc on commence sur un PA qui est assez mitigé, là on a 93,4 depuis. On va y aller tout de suite sur l'agilité. Faut qu'on monte à 86, on a moins 20, ça passe plutôt bien, qu'on vient récupérer sur le crit évidemment, du coup on récupère rien du tout. Je peux peut-être balancer deux pavis. En vrai ça se discute là, la strat. Ah, ça m'arrange pas de pas l'avoir récupéré là. En vrai je vais y aller comme ça. Ok, c'est parfait, en vrai c'est parfait. Je vais mettre la ravie maintenant. Moins 20. La Pado qui passe. Moins 15. La Passa qui crit. Ok, ça c'est original. Il nous reste 38. On a du coup 2 tentavis. Ok. Ok, je crit des runes vie, c'est parti. 2 pavis. Et 3 ravis. 1, 2 et 3. Est-ce qu'on a le PA là-dessus, les amis? Ce qui nous ferait une tenta magnifique pour un crit dommage sort. On n'a pas le PA. 90 depuis. On va mettre la petite rage. Moins 20. On va enlever l'over avec une rune tacle. Ouais, ça me paraît pas mal. Le crit qui crit. L'appado qui ne passe pas. Ça, c'est absolument dramatique. Mais ça crit derrière, donc on s'en sort pas si mal. On a 55 depuis. On a 2 tentavis. Une pavie. Ok. Et on a 5 ravis derrière. Allez, un gros over peut-être. Non. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 97 depuis. Bon, la J est un peu tricky là. Ok, c'est réglé. On va se mettre un petit dommage élémentaire. Je pourrais mettre de la Pado là, mais bon, c'est un peu inutile. Qu'est-ce qu'on a comme dos? Allez, deux poux. Ok, la Pado qui ne passe pas. Oh, deux fois, ça c'était 3 fois. 45, c'est dommage, ça aurait pu faire une énorme tenta là. On a 4 ravis, dommage, ça foire un peu. La part époux qui a troll. Ok, est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 92 depuis. Bon, c'est dommage, l'item a été magnifique juste avant, il s'est un peu effondré. On va voir comment on gère ça. On va forcer les pas A jusqu'à 70, c'est magnifique, moins 3. La rage, moins 20, ça pique un peu. Allez, la Pado, faut pas troller, please. Eh oui, mais forcément! Le moins 45, hein, le fameux, bah moi dommage, sinon c'était magnifique, on était en 40 sagesse. Bon, bah on a le PA, donc on a notre première tenta dommage sort là-dessus. Les amis, est-ce qu'on a le crit dommage sort? Pas de crit dommage sort. Est-ce qu'on arrive à casser le PA directement après? Parce que évidemment c'est la strat. Auquel cas là, ça nous ferait du coup une tentative d'over absolument insane. Est-ce qu'on a le PA qui tombe? Et non, on continue. 97,8 depuis. On va commencer par la petite pH discrète, délicate. Moins 9. Je vais mettre les dos R maintenant. Ok, bon, la Pado qui troll un peu moins. J'aimerais bien un peu plus de crit Pado quand même. Parce que là, pour l'instant, je me fais pas régaler. Par contre, j'ai full crit pas ça me va aussi. On a 54. 1, 2 et 5 ravis. Et cette fois-ci, j'ai bien les résistances terre à 10%. J'ai vu que j'ai fail tout à l'heure à 9%. Tout le monde l'a vu. C'est bon. Ok, 444 de Vita. Ah, j'ai oublié la J. Je me disais, c'est bizarre, c'était trop beau. Bon, on va crit une rage, tranquille. Ah non, ça marche pas. Ah bah si, on crit une rage, voilà. Non mais tranquille, eh, ça va, j'ai pas FM depuis longtemps, calmez-vous. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Bon, c'est dommage parce qu'avec 52 vitas de plus, c'était la fin du FM. Est-ce qu'on a le crit dommage sort? Eh non. Est-ce qu'on casse le PA? Non plus. On continue. 96 depuis. Bon, promis, on n'oublie pas de ligne cette fois-ci. On va go rage. Moins 20. Petit dopou. Petit réperter. Moins 1. L'appât d'eau qui passe du premier coup, c'est pas mal. On a tout pile 60 depuis. Ça peut faire un gros over, ça. C'est parti. Allez, une deuxième please. Un peu de vert. Non, on n'a pas le droit au bonheur, c'est pas grave. Le PA qui passe pas. Bon, le PA qui saute direct après. Si on a beaucoup de crit sur les ravis, ça peut faire un truc.
Ouais, on va déjà commencer par les autres lignes. On a moins 10. Ouais, 71. En vrai, je vais mettre une rune vie. Et 7 ravis. Advienne que pourra, les amis. Ok, on a du crit dans tous les sens. Donc j'ai encore 3 tentas. Une, deux et trois. Ah, dommage, ça aurait été stylé. On a le PA. J'aurais bien vu un petit 460 là, en vrai. Les amis, est-ce qu'on a le dommage sort en crit? Et non. Est-ce qu'on casse le PA direct après? Non plus. On continue. 94 depuis. Bon, le G il est assez bas, mais les congruences sont plutôt bonnes. On peut mettre une page. On va mettre la Pado tout de suite. Ok, qui troll pas trop, ça change. La Rage, on va essayer de pas oublier de ligne. Moins 10. La Passa qui passe. En vrai, on est pas mal, hein. 54. Les congruences étaient vraiment bonnes. Allez, vie, pas vie. 5 ravis. Ok. Est-ce qu'on a le PA là-dessus, les amis? On n'a pas le PA. 99 depuis. Bon, la J troll un peu, mais si la Rage passe direct, ça peut faire une belle tenta. On va voir ça. Nice. Bon, la question c'est comment je récupère derrière. En vrai, je peux mettre une pavie. Une deuxième pavie. Ok, c'est pas mal. On va go réfixe. On va go la passe à qui crit. Et oh, elle est belle. Moins 13, on a 76 depuis là-dessus, les amis, c'est très très beau. On a deux pavis. 7 ravis. Allez, une deuxième, nice. Ok, 448, bon, c'est un 38 de sagesse, c'est pas incroyable, mais si on passe là-dessus, ça me va. Est-ce qu'on a le PA, les amis? C'est maintenant. On n'a pas le PA. 99 depuis. La Pado qui troll pas. On a 84, les amis, c'est pas mal, hein. Et ça passe, ok, on a 8 tentas là-dessus. Bon, là, j'ai au moins du 444, c'est obligé. Faut pas que je dise ça parce que je vais me faire karma. Allez, c'est parti. Ben voilà. Bon, 39 sagesse, mais ça passe. Est-ce qu'on a le PA là-dessus, les amis? On n'a pas le PA. 92 depuis. Aïe. Non, moins 30 sur la rage. Ok, ça c'est terrible. On récupère un peu sur de la vita, la petite rune chance. Allez, on va mettre maintenant le dos R, la Pado. Ok, j'allais dire, il me faudrait un crit Pado pour récupérer. Ben, on s'en sort hyper bien. Là, on s'est fait régaler, là. 57, une vie, deux pavis, 5 ravis. Let's go. Ouais, un petit crit, ça aurait été marrant. Pas de PA. 97 depuis. Ok, 22 vies pour la J, c'est un peu relou. On va double pavis. C'était de la merde comme call parce que si ça passait, ça me mettait au fond. Non, fallait pas faire ça. Bon, c'est pas grave. J'aurais mieux fait de mettre un repère. La Pado moins 30. Aïe aïe aïe. 47. Une vie. Deux pavis. 4 avis. Bon, bah, c'est bien. Pas de PA. Ça, c'est vraiment le rêve. Pas tomber le PA en passant à 42 sagesse. Avec la J parfaite, c'est vraiment là, il y a juste la Pado à mettre et on part en full 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 over vita. J'espère juste que la Pado me troll pas et on a une tenta qui est magnifique. Oh yes! On a 76! Ah, si j'avais passé une deuxième pavie, c'était magnifique. Ok, 7 ravis là-dessus. Allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. Ok, bon, c'est nul. On n'a pas le PA. 90 depuis, l'attentat peut être énorme. Il faut que la Pado passe direct. Nice. On a 75 là-dessus. Deux runes vie. Une pavie qui passe. Oh, elle est belle, elle est belle. 7 ravis. Il m'en faut 3. Une, deux, allez, une troisième, une troisième. Aïe, 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 pas d'œuf. Est-ce qu'on a le PA? Oh, bah bien sûr, pas de PA. 93 depuis. Allez, la rage, moins 10, moins 20. En vrai, je peux mettre une pavie. Ouais.
Ok, on récupère la petite Pado qui passe pas malheureusement. Ok, on a un crit, on récupère, on a moins 13, il nous reste 62 puits, tout pile, parfait. Si ravi. Allez, allez, encore un crit. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas mal, est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 91 de puits. Ah, ça fait mal ça, moins 30 sur la rage. Ok, le crit, sorti de nulle part. Allez, la Pado. Bah, il aurait fallu un crit là. On a 40, c'est un peu léger. On n'oublie pas le répertaire. Qui oublie des répertaires? Personne. 34. Allez, une. Tac. Une, deux et trois. Et pas de PA. 92 de puits. Le G est vraiment pas mal. On a 40 sagesse. Je pense qu'exceptionnellement, je vais mettre la J après les Pado pour récupérer l'overagie avec de la pavie. Je vais faire ça, je pense. Du coup, Pado maintenant. Oh, le crit. Et on a 92 de puits là-dessus, les amis, c'est insane. Il faut que la rage, elle troll pas et on a une tentative de fou furieux. Moins 20, c'est très très correct. Allez. J'ai 72 de puits. Je peux mettre 2 pavis. 2 vies. Et j'ai 7 ravis derrière. Très 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 fat là. Allez, allez. Encore une, please. Ah, c'est pas fun, ça. On a le PA. Bon, bah, tenta, dommage sort, du coup. Ah oui, le chat a raison, j'avais un de puits de plus. My bad, j'avais compté que c'était une ravie, ça. C'était une passa, en fait. Merci au chat. J'aurais pu mettre une pavie à la place des trois vies, du coup, ça aurait été un peu meilleur, bon. Dommage sort. Est-ce qu'on crit là-dessus? On crit pas. Est-ce qu'on casse le PA direct avec la ravie? Et non. Magnifique tenta à 95,6 de puits. On va commencer par la Pado. Ok, ça passe pas, c'est dommage. Moins 30 là-dessus, ça fait très très mal. L'attentat était magnifique sur le reste. Ok, la rage qui passe direct, ça nous met bien. Est-ce qu'on récupère? Non. On a 55,6. On a 2 tentes à vie, une pavie et on a 5 ravis. Let's go, les amis. 94 d'over avec 40 sagesse. Ça fait très très plaisir. Est-ce qu'on peut avoir le PA là-dessus, ce qui mettrait fin à la session? Je serais tout à fait satisfait de ce G et ça me conviendrait. Les amis, est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 86 de puits. Bon, là, on a un petit problème d'agilité. Je vais quand même mettre la Pado en premier. Ok, le crit met très très bien. La passa qui passe également. Et ok, ça se passe très très bien. Bah écoutez, j'aurais pas parié là-dessus. On a donc 67 restants. En vrai, ça vaut limite le coup que je mette une pavie. Et je vais mettre une rune fuite. Parce que si je récupère, je gagne une ravie. Et let's go! Ce qui fait que j'ai du coup une tente à vie. Et j'ai 7 ravis, ça c'est magnifique. Ok, on a eu un crit. C'est un peu léger du coup, ça pourrait faire une magnifique tenta à dommage sort. Et non! 96 de puits là-dessus. Allez, la rage. Moins 20. On va mettre une petite rune d'opou. On récupère, c'est cool. Est-ce qu'on a la Pado? On n'a pas de Pado. Ok, moins 25. 51 restant, je pourrais mettre un peu de pavie avant d'y aller sur de la rat. Non, on va mettre une vie. Ok, let's go, parfait. Ça, c'est ce que j'aime, ça. Et 5 ravis derrière. Allez, encore une, please. On a le PA. Est-ce qu'on a un crit dommage sort, les amis? Et non. Est-ce qu'on casse le PA direct? Non plus, on continue. 92 de puits. Ok, ça met très très bien. On récupère pas. Ok, moins 5. La Pado qui passe, c'est cool. La passa en neutre également. Ok, on s'en sort très bien, 57. Ça peut très très bien le faire là. On a les 40 sagesse en plus, c'est joli.
Dommage. On n'a pas le PA. 99 de puits. Bon, là, il faut passer une rage, c'est un peu technique. Voilà qui est fait. On récupère sur la sagesse, c'est magnifique. On va mettre une petite réter, moins 6. Je vais mettre la pado maintenant, moins 15. Le crit. Et les res, moins 10, on a un petit crit qui régale. 58 restants, c'est pas mal. On peut faire 2 tentavis, 2 pavis et 5 ravis. Ok, c'est assez léger. On n'a pas de paire. 99 de puits, on va mettre une petite pa'age. Une ra'age, ça nous fait moins 19. Allez, on récupère peut-être là-dessus. Ok, un crit, ça fait toujours plaisir. La petite do-air, moins 3. La pado qui crit, let's go. 77 de puits, c'est pas mal du tout. On a eu un crit. Il nous reste 7 ravis. Ça peut faire un gros truc là, peut-être. 425, bon ça... Ça peut faire une belle tentative de match sort. Pas de PA. Bon, 79 d'agi, là ça va être un peu tricky. On va commencer par la pado qui passe direct. Allez, il faut passer la ra'age. Ça peut être assez coûteux. 50, dommage. Mauvaise pioche. On va mettre 3 pavis, ce sera plus simple. Ok, il nous reste 26. 1, 2, 1, 2. Et pas de PA, magnifique. 97,8 depuis. Ok, ça c'est pas mal, moins 10. On va go do-air. On récupère le puits, c'est parfait. Moins 4. La pado qui passe, ça se présente plutôt bien pour l'instant. Le crit, moins 10, il nous reste 58,8. Bah c'est parti. 1, 2, 1, 2, et 5. Ouh, les amis, là on commence à discuter là. 120 d'over vita. Bon, 38 sagesse, mais l'over met très 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 bien là. Là ça commence à avoir de la gueule là. Les amis, est-ce qu'on mérite le PA sur cette over 120 vitalité? J'avais du puits encore? Ah, j'en ai mis que 4. Il me restait une... Ah bah oui, ça m'a interrompu. Il me restait encore... Ah, j'aurais pu remettre des pavis, en vrai. Il me restait carrément du puits. On en est là. Bon, bah écoutez, pas de chance. Unlucky. 99 de puits. Aïe. Moins 30. Ok, ça compense un peu. 69. 1, 2, 3 et 6. Allez, un petit 471 peut-être. Pas de PA. 93 de puits. Oh, les crits, let's go! Moins 9. 84. Ok, là, c'est potentiellement très très fat. Dommage qu'on ait pas eu la pavie. On a 8 ravis. Ah bon, on s'amuse bien, c'est cool. Pas de PA. 93 de puits. Allez, là on a un parfait over agi into do air, into pado moins 15, la passa qui passe, et le petit crit 13, on a 49. Bon, pas de PA. 96 depuis, allez, faudrait que l'agi passe direct, et ben voilà, moins 10, on récupère là-dessus peut-être, ok. Le crit, ça fait plaisir. Oh, ça, ça régale. Oh, l'attentat de fou. 86 depuis là-dessus, vraiment, c'est ma vie, ça. Oh, c'est si beau. J'ai presque envie de pas mettre de pavis dans l'idée que peut-être on va choper un 502, en vrai. En vrai, on va tenter le beau jeu. Je vais mettre les ravis directs pour pas être bloqué. Des fois qu'on est une giga luck. Je sais pas, je la sens, là. Ah non, bon, bah, il reste 2 pavis. Et pas de PA. On a joué. 94,8 depuis. On va mettre une petite pa'age. Une res qui crit. On a déjà un moins 3.
Allez, la Pado, c'est maintenant. Moins 15. Je vais faire mon Overagi. Moins 20. La Passa qui passe. Le Crit qui passe également. Moins 19. On n'oublie pas la petite raise. Moins 6. Bon, c'est pas une grosse tenta, mais ça peut potentiellement donner une tenta de dommage sort sympathique. Ouais, bon, c'est pas ouf ouf, quoi. Tous les coups, c'est là-dessus que je veux le Crit. Limite, je préfère crit une ravie en fait. Ou essayer de casser le PA pour viser un 502, ça me paraît plus intéressant. Parce qu'un crit de moche sur là-dessus, je pleure. Et non, on casse pas le PA. Oh, peut-être que. Non, c'est mort. On continue. 90 depuis. Je suis un peu embêté avec mon agilité là. En vrai, je pense que je vais mettre une rune d'un type autre, type en vrai prospection. Non, pas prospection, puisqu'il y en a sur l'item. Allez, pas faux, ce sera bien. Hop, parce que le problème, c'est que si j'over aussi, la vie elle passe, je suis embêté derrière pour ma pado en fait. Donc, comme ça, c'est parfait. On a 78, ça a encore une belle tenta potentiellement. Cette tenta. J'étais sûr que ça allait faire ça. Je l'ai vu venir à 1000 km. J'ai hésité, est-ce que je mets les pavis ou pas. Du coup, il nous reste 40 depuis là. Mais écoutez les amis, on va jouer à Defus tout simplement. Allez. Une. C'est une blague. J'aurais dû mettre une rune. Ah, ça troll, je. On peut pas les passer. Ouais, je vais mettre une rune vie, mais je perds une. Je le sais en plus que c'est. Je sais que c'est un comportement connu. J'ai tendance à dire que c'est quand même un peu un bug pas voulu, mais bon, bref. J'aurais dû mettre une rune agi, parce que là, le problème, c'est que du coup, je vais me retrouver à 39 depuis. Quoique. Non, même pas en fait. Non, non, en fait, non. J'ai pas tapé dans mon puits. Non, non, il me reste encore les 4 avis. Bon, ça va, j'ai rien perdu. Allez, 1, 2, 3, 4. Dommage. Bon, on a tenté le beau jeu. Est-ce qu'on a la GAPA là-dessus? On a le PA. Bah, du coup, je suis un peu triste d'avoir enlevé ma Vita, mais bon. J'aurais pu avoir un 459. Mais pas de regret. On avait 40 depuis encore à balancer, donc on a tenté le beau jeu. Voilà, il n'y a aucun regret. Dans tous les cas, je vais faire de la forge magie itérative, c'est-à-dire que je me ferai une deuxième monoture avec la même approche, et à chaque fois, en fait, je mettrai le dommage sort sur celle qui aura l'over le plus bas. Ce qui fait que celle-là, de toute façon, un jour ou l'autre, elle va prendre une dommage sort, je pense. Donc, si je sors un crit là-dessus, ça me mettra plutôt bien. Voilà, bon, bah écoutez, session plutôt agréable sur cet item, c'est franchement, c'est un plaisir à faire ce genre de choses. Il n'y a aucun souci, aucune difficulté. Ça m'ira pour l'instant, c'est un peu dommage d'avoir un 38 sagesse. Mais bon, ça correspond à ce que je voulais, donc je suis tout à fait satisfait. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt. Repassage sur des gros items qu'un abonné a fait pour moi. Et qu'il me vendra si ça passe. On commence avec une invoque sur une couronne d'Alistair, qui est vraiment très chouette. C'est pas facile à faire, vraiment. Pas d'invo. Et le PO sur la coiffe du compte à rebours, qui n'est pas facile à faire non plus. Bon, il manque un de tacle, il manque un peu de PP, un peu de Vita, mais c'est un jet qui est déjà excellent en vue de la difficulté de l'item, avec un 60 de sagesse qui est assez impressionnant. Ça a du crit de la grosse race, j'imagine. Est-ce qu'on a le PO ? On n'a pas le PO.